Tu me dis, tu me fais signe, hein. Tu me fais signe, on commence. Non. On commence? Ok, d'accord, on commence. Est-ce que mon micro fonctionne? Ok, parfait. C'était de belles années. Si vous écoutez cette chanson, alors vous faites partie de la génération 90. 1990. Vous êtes né en 1990? Eh bien, vous avez 30 ans. Joyeux anniversaire. Quelle est, à votre avis, mes amis, la révélation de l'année 1990? Non, ce n'est pas le mondial. Non, ce n'est pas Roger Milla. Oh que non, ce n'est pas Thomas Sankono, encore moins Valérie Nepognacki. La révélation de l'année 1990, c'est un jeune économiste. Il a 30 ans, il s'appelle Célestin Monga. La démocratie truquée, c'est la lettre qu'il a révélée au grand public. Chers amis, où que vous soyez, bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, 1990, numéro 12. En 1990, il y a un jeune économiste qui a 30 ans. Il va écrire à Paul Biya dans une lettre qu'il intitule « La démocratie truquée ». Pourquoi il écrit à Paul Biya? En fait, vous devez comprendre que Paul Biya, dans une session des libertés à l'Assemblée nationale, avait fait un discours dans lequel il a dit aux Camerounais « Je vous ai amené la démocratie ». Pardon ? « Je vous ai amené la démocratie ». Oh que non ! Célestin Monga, qui travaille dans une banque à Douala, va donc rédiger une lettre ouverte adressée à Paul Biya dans le journal Le Messager détenu par le feu puisse Djawé. Paix à son âme. Et il va se ramasser en prison. En tout cas, son procès aura lieu dans l'année 1991. Mais pour ceux qui sont nés en 90 ou pour ceux qui ne savent pas la révélation de l'année ou pour ceux qui ne savent pas qui est Célestin Monga, je vous exhorte à aller faire des recherches sur Internet, dans Google. Vous tapez Célestin Monga et vous allez donc tomber sur cette lettre qui s'appelle la démocratie truquée. Lisez-la, c'est du bonbon alcoolisé, comme dirait Jean-Michel Cancan, ça en vaut vraiment la peine. Il faut vous rappeler quand même qu'en 1985, Paul Biya disait qu'on n'avait pas besoin pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille. Donc, Célestin Monga, il saisit la balle au bon. Parce qu'en plus, en 1990, l'Assemblée nationale va voter des libertés pour le citoyen camerounais. On avait le vent de la démocratie qui partait déjà, n'est-ce pas, vous savez, de l'URSS et qui, voilà, soufflait, n'est-ce pas, partout en Afrique. Donc, les Africains étaient aussi libres. En 1990, alors, lorsque Paul Biya fait donc ce discours, Célestin Monga va donc l'interpeller avec une série de questions. Il va demander à Paul Biya, mais de quelle démocratie tu parles? De quelle liberté tu parles dans un pays où, par exemple, pour avoir accès à la justice, il faut corrompre un juge? Dans un pays où un policier peut se permettre de faire n'importe quoi? Est-ce que vous avez déjà mis les pieds à New Bell, monsieur le président? Mais de quelle démocratie vous parlez? Il dira à Paul Biya, cessez de nous prendre pour des enfants parce que les des pères des nations est révolu. En tout cas, il donne un knockout à Paul Biya et Paul Biya se retrouve donc acculé au mur. Et bien évidemment, au lieu de se rappeler qu'il avait dit qu'il ne va pas, n'est-ce pas, se mettre à punir les Camerounais qui expriment leur opinion, ou que non, Paul Biya va changer d'avis. Il y aura donc cette inadéquation entre les mots et les actes de Paul Biya. Célestin Monga et puis Djawé seront arrêtés. L'année 1990 se termine de cette manière-là. En fait, je préfère prendre par la fin avant de vous raconter toute l'année 1990.
En 1990, bien évidemment, les Lions indomptables ont un parcours exceptionnel. Roger Milla, 4 buts en bas, l'Argentine de Diego Maradona. C'est une première dans le monde. Le Cameroun de Roger Milla avec Thomas Sanko de Oman Biyik va donc permettre ainsi à l'Afrique de pouvoir ramasser d'autres places pour un éventuel mondial. Le Cameroun va devenir le pays le plus connu en 1990 et d'ailleurs, grâce à Roger Milla, le ministère du tourisme camerounais en 91-92 va donc voir qu'il y a une pente, n'est-ce pas, du tourisme qui vient découvrir le Cameroun. Tout cela grâce à un mondial, grâce à un joueur, Roger Milla. 1990, c'est la naissance du SDF, Social Democratic Front. Le président s'appelle John Frundi, un libraire qui à Bamenda va décider ainsi d'organiser une marche le 26 mai réclamant le multipartisme. La marche lui sera refusée. Mais sans oublier que nos frères de Bamenda, quand ils disent qu'ils veulent marcher, ils vont marcher. John Frundi va donc braver l'interdiction. Résultat, vous connaissez le Cameroun de Paul Biya. Quand on vous dit non, vous marchez. Qu'est-ce qui se passe? On envoie la police des émeutes et il va donc y avoir une altercation entre les manifestants et la police du Cameroun. Résultat, 6 morts. Oh que oui. 1990, c'est toujours la crise économique au Cameroun et les banques tombent. C'est la faillite. Le Fonader, n'est-ce pas, va mettre la clé sous le paillasson. La Banque du Paysan, le Fonader, qui est le Fonds National pour le Développement Rural, c'est la Banque du Paysan. Il va mettre la clé sous le paillasson et tirer sa révérence. Paul Biya va donc créer le FNE, Fonds National de l'Emploi. Cela va permettre donc aux chômeurs qui cherchent un emploi de pouvoir donc se ramasser dans un bureau où les entreprises font des demandes d'employés. Donc, ce serait comme un centre d'intermédiaire ou un médiateur pour permettre aux chômeurs de trouver de l'emploi et en même temps pour former, bien sûr, certaines personnes sur le tas ou encore même pour aider certaines personnes donc à créer des micro-entreprises. En 1990, il y aura 15 entreprises qui seront privatisées, notamment les Chococam, les Camsuco, la Société de développement des riziculture de la plaine de Mbo, la Société industrielle forestière de Belabo, le CEPER, le Centre de production d'édition de l'enseignement et de la recherche. On va y avoir des entreprises comme Général Métallurgique du Cameroun, l'Organisation camerounaise de la banane, Société camerounaise de manutention et d'arconnage, Crevette Cam, Crevette du Cameroun. Donc, voilà autant d'entreprises qui seront privatisées. En 1990, Paul Biya va créer une nouvelle politique agricole, NPA. Le rôle du NPA est de sauver le secteur agricole parce que vous savez, voilà, la crise bat son plein. Car vous savez, le secteur agricole emploie près de 75% de la population, génère 30% de recettes en devises, représente 15% des ressources budgétaires et 24% du produit intérieur brut. Alors, ce n'est que normal, ça prend une nouvelle politique agricole. On va donc ainsi moderniser l'appareil de production, créer des laboratoires pour la sécurité alimentaire, faire la promotion et la diversification des produits d'exploitation. Donc, on ne va plus juste être dans le cacao, le café, le coton. Il va y avoir de la banane, de l'EVA, de la canne à sucre, de l'ananas, en fait, du manioc. Tout ce qu'on peut vendre, en fait, il faut vendre. Le Cameroun a besoin d'argent. Toujours en 1990, avec donc cette crise des banques, il va donc y avoir le gendarme des banques qui va s'appeler donc la COBAN, qui est dans la Commission bancaire d'Afrique centrale, qui va donc permettre à veiller à ce que les banques présentent donc des fiches de solvabilité afin qu'on évite encore, n'est-ce pas, des faillites, parce que savez-vous, quand les banques fermaient, ben les gens perdaient. En 1990, le fameux comice agro-pastoral, qui est la place où le fermier, l'agriculteur, le cultivateur, faisait donc valoir ses aptitudes, ses talents, ou encore nous présentait ses récoltes, ou encore la qualité de son élevage, ou encore la qualité de ses produits. Malheureusement, en 1990, toujours à cause de cette crise, il n'y aura pas de comice agro-pastoral. 1990, le président de la Cour suprême, Marcel Guigny, tire sa révérence. Il sera donc remplacé par Jean-Rémy Baya. Au niveau de l'État, rien n'a changé. On a toujours le président de l'Assemblée nationale qui est un anglophone, Fong Kachang. On a toujours le président du Conseil économique social qui est Luc Ayan. Puis on a
Paul Biya à la tête de l'État. On est en 1990 toujours. Esther Ndang devient la première femme à être directrice générale d'une société d'État. Madame Ndang sera donc la directrice de la Société Nationale d'Investissement, dont la SNI, ce qui est génial. C'est l'année des femmes aussi. Il va également supprimer l'autorisation maritale exigée aux femmes mariées lors des déplacements. Avant 1990, la femme camerounaise mariée pour se déplacer avait besoin de l'autorisation de son mari. Imaginez ma mère qui dit à mon père, « Robert, j'aimerais aller à Cotonou m'acheter du pain. Veux-tu signer mon autorisation ?» Et mon papa qui dit, « Bien sûr mon amour » ou encore, « Non chérie ». Donc les hommes avaient vraiment, mais alors là, beaucoup d'autorité sur la femme jusqu'en 1990, je suis vraiment fier pour ce que Paul Biya a pu faire pour les femmes. C'est une belle victoire, mais en tout cas, bravo Monsieur le Président. C'était bien pour la femme camerounaise. À partir de 1990, les femmes camerounaises vont tellement sortir qu'on va avoir le foisonnement des Bayam Salam et les marchés Congo, marché Mokolo, marché Central vont devenir des centres de business. Toujours en 1990, eh bien, je ne le savais pas, Paul Biya va supprimer l'autorisation d'un visa de sortie. Ah ben ça, je ne le savais pas. Ou jusqu'en 1990, les Camerounais, pour sortir de leur pays, devaient avoir un visa de sortie. En plus d'avoir demandé un visa d'entrée dans le pays dans lequel vous vous déplacez, il fallait que le Cameroun vous donne un visa de sortie. Non mais ça fait deux visas, non mais... On n'est pas sorti du bois, déjà que c'est pas facile d'avoir le visa pour entrer dans l'autre pays. S'il faut en plus de ça demander un visa, oh, pauvre voyageur. 1990, le bâtonnier Yondo Black, cet célèbre avocat du Cameroun, qui est donc le bâtonnier du droit, va être arrêté avec ses amis. Le motif de l'arrestation, vous allez trouver ça bizarre. On les arrête parce qu'ils ont mis sur pied une coordination pour la démocratie et le multipartisme. Oh que oui. Oh que oui. On les a arrêtés. On les a enfermés. On les a jugés dans un tribunal militaire. Bah. En 1990, croyez-le ou non, le RDPC, alors que le SDF vient de manifester pour exiger le multipartisme, le RDPC, qui est le parti unique, va demander une autorisation pour faire une marche. L'autorisation leur sera accordée. Adjugé, approuvé, accordé. Vous avez le droit de marcher. Ouais, ça c'est mon pays. Quand tu es dans le RDPC et que tu veux manifester, c'est bizarre, hein? Tu as toujours une passe droite. Ouais, il va bien falloir investiguer cette affaire-là. Mais en tout cas, en 1990, le RDPC décide d'aller faire une manifestation. Contre quoi, pensez-vous les amis? Contre quoi? Contre quoi? Le RDPC marche contre le multipartisme précipité. Ah ben non, nous on ne veut pas. Excusez-moi, c'est encore plus beau. Voilà. Le RDPC marche contre le multipartisme précipité. Yo, mon profil. Watch out. Ouais. Ah non, mais je n'en reviens pas. Le RDPC marche contre le multipartisme précipité. Donc, en fait, vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres voix dans ce pays-là, quoi. C'est-à-dire que le pays vous appartient, vous voulez gouverner seul. Et en plus, vous avez réussi. Mais vous avez réussi. De 90 à 2020, ça fait 30 ans. C'est toujours vous. Non, mais c'est quoi la recette, les gars, hein? C'est quoi la recette, le RDPC? C'est quoi? C'est un bourrage des yeux, un trucage? C'est quoi la sardine, le pain? C'est quoi le problème? Comment vous avez fait? Oh que oui! Ils ont manifesté en 1990 contre le multipartisme précipité, tandis que le SDF n'a pas eu le droit de manifester. On leur a interdit, ils l'ont bravé, il y a eu 6 morts. 1990, c'est terminé pour moi. Je vous remercie beaucoup. On va parler de l'année 1991. Je vais vous décortiquer la lettre « La démocratie truquée » de Célestin Manga. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée. C'était l'année 1990 dans la tête de Paul Biya, numéro 12.
Merci beaucoup. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas, partagez. Ah, j'allais oublier. En 1990, est née la reine Lonci. La reine Lonci vient des Bamboutos. Si vous ne connaissez pas la reine Lonci, allez regarder sa page Facebook. C'est la plus belle femme du Cameroun. Aïe, ah, ne me jetez pas les pieds. Oh.